La 26e Conférence Générale de l'Organisation Arabe pour l'Éducation, la Culture et les Sciences Alexo, tenue ce samedi en Tunisie, a salué les efforts déployés par Sa Majesté le Roi Mohamed V, Président du Comité Alc, dans la défense dal khal Sharif et préserver son identité. La Conférence Générale, tenue en session ordinaire, qui est l'organe de décision le plus élevé de l'Alexo, qui comprend 22 États membres, a adopté une résolution soulignant le soutien continu de Sa Majesté le Roi à la fermeté du peuple palestinien. Il a également souligné le travail de terrain de l'Agence Bemal la branche exécutive du Comité Alq, sous la supervision effective et effective de Sa Majesté le Roi. Dans un discours prononcé à cette occasion, le membre du Comité exécutif de l'Organisation de Libération, président du Comité national palestinien pour l'éducation, la culture et la science, Ali Abuzuri, a exprimé la profonde gratitude de son pays à sa majesté le roi Mohamed vi et aux efforts qu'il a faits notamment dans la préservation d'al Khal sharif et son soutien aux habitants de jérusalem et aux institutions de la ville sainte dans ce contexte il a appelé les pays arabes à suivre l'exemple des royaumes du maroc et de jordanie ainsi que les états arabes du golfe en soutenant al cod en premier lieu quant au secrétaire général du ministère de l'éducation nationale de l'enseignement primaire et des sports Youssef Belkacemi, il a souligné que le Royaume ne ménage aucun effort sous la direction avisée de Sa Majesté le Roi Mohammed V, président du Comité Al-Qods, pour l'a bénéfice de la cause palestinienne et la protection des lieux sacrés islamiques en terre de Palestine. M. Belkacemi, qui dirigeait la délégation marocaine à cette conférence, a souligné le rôle tangible joué par l'agence Bait Al-Khal Sharif sous l'égide de Sa Majesté à travers la mise en œuvre de projets de développement au profit de la population de Jérusalem et soutien pour leur constance. Il a souligné que parmi ces initiatives figurent l'attribution de 31 bourses aux étudiants de Jérusalem et l'honneur de 45 étudiants exceptionnels dans les écoles de Jérusalem affiliées à la direction de l'éducation, ainsi qu'à l'université d'Alc pour les frais 2020-2021. Il a mentionné le lancement du projet de clubs environnementaux et d'éducation des jeunes sur l'importance de préserver l'environnement et les éléments de l'équilibre naturel à Jérusalem, et l'organisation d'une campagne de sensibilisation et d'éducation pour les écoliers de Jérusalem sur l'importance de préserver l'environnement et l'équilibre naturel. Le premier lot du programme de reconstruction d'urgence de Jérusalem en 2021 a été lancé, et un plan de travail social et humanitaire à Jérusalem pour l'année 2022 a été élaboré. Et un centre spécial de recherche et de d'études scientifiques a été créé, visant à faire la lumière sur le aspect humanitaire, socio et économique de la ville sainte en étudiant, analysant et proposant des solutions appropriées et en créant un club Children for Jerusalem, qui comprend des activités destinées aux enfants et aux adolescents et l'ouverture des jeunes aux technologies modernes. Cette année, l'agence mal Al-Khal Sharif a créé le prix Al-Khal Sharif pour l'excellence journalistique dans les médias de développement. M. Belkasmi a rappelé l'appel de Jérusalem signé par Sa Majesté le roi Mohamed VI et sa sainteté le pape François Araba le 31 mars 2019, qui est un appel à faire de Jérusalem une ville de paix, de fraternité et de tolérance, comme symbole de coexistence. Pour les adeptes des trois religions monothéistes, et un patrimoine commun pour toute l'humanité point et un centre pour les valeurs de respect mutuel et de dialogue continu et renouvelé. Il est à noter que la délégation marocaine comprend, outre-m belkasmi l'ambassadeur du Maroc en Tunisie, M. Assantarek, le secrétaire général du Comité national pour l'éducation, la culture et la science, M. El Jamal Amaleddine, et un conseiller juridique et chef du pôle éducation, culture, dotation et affaires islamiques au secrétariat général du gouvernement, Bint Aleb Mohamed.